grosso merdo en toi. Je crois que je suis en train de prendre un truc, il fallait que je prenne avec. Ouais, quand on sera arrivé à la Syrie, ouais. Ce serait plutôt pas mal que non, en fait. Regarde, j'ai réussi à tout foutre en place. On va se calmer. Je veux dire que j'ai rasé ce problème. Souviens, Tom. Il y en a encore une bonne dizaine d'arbres qui traînent là-bas en haut. Non, mais quand j'avais rasé sur le serveur. L'autre. Où toi tu changeais avec ton Toyota. Vous me voyez tous les ans. Ah mais c'était sur la map celle-là. Non. On a joué avec Thomas. Non, non, moi j'ai jamais joué sur celle-là. C'est une des premières fois où je joue sur celle-là. Ah oui, c'est juste. Où j'avais rasé tous les sapins. Avec le métrage. C'est assez magnifique, magnifique. Ouais, je m'en rappelle pas du MB-Track alors. Ben c'est vrai, tu l'as jamais vraiment conduit en fait, c'est plutôt moi qui te voyais avec. T'es sûr que c'est sur cette map et pas plutôt sur l'autre? C'était quoi ça? Bah c'est sur... oui, sur The Alp. Non, sur The Alp, on a rien coupé, j'ai jamais fait de moi sur si, The si, Alp. Si, si, si. J'étais pas une voix quand vous avez fait de moi. Si, 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 si. Avec qui qu'on avait fait un, avec un betrack du bois. Peut-être avec Jackie, c'est possible. Moi, la seule fois que j'ai fait du bois avec un betrack en équipe, c'était sur la forêt, c'était juste là. Non. Ouais, je tiens les troncs plutôt de manière chelou, on va dire. T'es pas obligé de lever, hein. Hop, 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 on va se calmer. J'ai pas la... Okay. C'est bien ce que je pensais, ça part en couille. Qu'est-ce qui part en couille? Yolé. Je pense que tout est décalé, je pense. Ce qui est en bas, ouais. Ouais, faut qu'en bas on mette des troncs plus courts. Pour le. Ah, t'inquiète pas, y'en a qui sont en train de descendre, t'inquiète pas. Bon, vas-y, manœuvre, vite, avant qu'il y ait tout qui se casse la gueule. Attends, bouge pas. Moi, je passe pas peur, vu que ça s'est changé, on va vite s'habiter. Non. Je vois, il a changé les 3-4 francs qu'il reste. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est vite qu'on en trouve partout. Je trouve que pas tellement. Ça dépend d'un micro chargé, je pense. Mais... Arrête de faire vibrer la table, s'il te plaît. J'ai fait que tu parles à moi. Ah, mais non, il y a. Tu peux faire autour du clavier le frontal. Il faut que tu fasses la souris. Hein. Mais c'est encore moins pratique. Tu peux gérer la hauteur de travail avec le modèle. Quoi? Avec IGE et N, tu peux régler la hauteur du frontal. Ou du bras. Ben oui, comme ça. Mais au moins tu peux gérer. Tu
Tu peux faire préféré, c'est attention. plus ancien, c'est plus bien d'avant. Non, pour chez C'est moi. mon avis. Je trouve que justement, au contraire, au clavier, c'est inconduisible. Par contre, ce tronc, il fait quoi là? Je sais pas, c'est moi ou on l'enlève? Entre deux, il vient de partir, hein. Ah, tu pars avec de la cabine ou bien? Hein? Très bien, tiens, regardez sur la vidéo. Je le sens quand même, c'est la cabine. Bon, on va vider ça, on sent des choses, on va essayer d'arriver à ce Ah non, on n'a pas fini de charger, Cédric. Je veux pas, ça tape, ça tape la mer. Ouais, manœuvre maintenant pour aller là-bas. On sait que tu cherches pas, Cédric. Veux dire, t'as un peu une remorque un poil lourd pour lui, non? Sinon, tu peux aller là-bas, faire demi-tour un peu plus loin, puis revenir. Ça va aussi. Eh non, ça a rien. Par contre, en fait, faudrait que tu tournes dans l'autre sens là, si tu te trompes de chemin. Ouais, bah il faudrait que je tourne, en fait, je tourne tout le temps déjà. Il y a un Personnellement. magnifique contrepoids dessus. Exprès pour. Voilà, maintenant décharge, c'est bon. T'inquiète, moi aussi. Bon. Désormais, on connaît la règle. Il faut charger les troncs plus courts en bas. Je suis bloqué sur quoi là? Je souhaiterais reculer, s'il vous plaît. Good à la con. Là. Ça c'est rigide. Vite le ranger à la ferme. Ah, on a pas vu que c'était. Oh là là, ferme, les amis. Désolé, hein. Il y a qu'un tenu là là que vous n'aurez pas. Le Massey Ferguson 65. Bye, moi. Mais c'est normal qu'il soit comme ça disproportionné ce Massey Ferguson ou c'est une erreur? C'est une différence de couleur, c'est émotionnel. Ce qui me paraît vachement vachement gros par rapport aux autres. Ouais, moi aussi, j'ai une couleur, c'est une couleur. Voilà, il y a Après, que. c'est un détail, mais si tu pouvais mettre les axes de direction qui bougent, ça serait cool. Oui, ça c'est le premier mode. C'est des modes, après on peut se voir. J'ai pas acheté le tutoriel, moi. Oui, moi je l'ai, mais en anglais, donc grosso merdo, on est un peu les deux à la même, là. Non, parce que toi, t'as sans doute déjà regardé une ou deux vidéos de comment faire. Non, même pas. Moi, je m'y suis jamais vraiment intéressé. Parce que je m'en tape un peu le cul. J'en ai Ouais, vu, vraiment qu'on donne un petit peu, il faut un petit peu franchement de ce parce que les machines c'est limite sur les gosses, 3000 contrôles. C'est pas comme ça qu'on range. Non, tu commences à accrocher des trucs comme ça. Proche la faucheuse, c'est de coller au poteau électrique. Et ben on coupe le poteau électrique. Ah d'accord. Dans l'art de couper des trucs, on n'est pas trop trop mal, hein, je crois. Je crois que je me débrouille pas mal là. Ça, je maîtrise. Donne-moi une tronçonneuse, je te rends la forêt. Bon, je range comme tout le reste, hein, je range comme toi. De quoi, l'outil pour frontal? Ouais. Ouais. On se débrouillera pour manœuvrer quand on aura besoin. Urgence.
Thank you.